Décis, désiste toujours avec Frédéric Bérard. On a beaucoup vanté le chef du Parti québécois et ses trois mousquetaires au cours des dernières semaines, et pour cause, Fred en tête. Mais bon, peut-être un autre, ben, il y en a eu quelques-uns aussi, ils ne sont pas parfaits. Un autre faux bond en fin de semaine, selon Fred, qui a réagi à Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui lui s'inquiète du nombre sans précédent d'immigrants temporaires établis au Québec, dont l'impact concret est l'étranglement des finances des ménages. Fred. Moi, il n'est pas capable de s'empêcher, c'est plus fort que lui, c'est ça qui... Ça, c'est du populisme, ça? Ben, okay. Explique-moi le lien, toi, entre l'étranglement financier des ménages puis des immigrants temporaires. Ben, je ne l'ai pas vraiment saisi, je t'avoue. Je me fiais sur toi un peu ce matin. Ça donne bien parce qu'il n'y en a pas. C'est ça l'affaire, c'est de toujours pointer le doigt. Regarde, il y a l'immigrant, c'est à cause de lui que tu en arraches, c'est à cause de lui que tu vas payer ton... C'est à cause de lui que tu es pauvre. C'est dégueulasse, sérieusement. Puis Plamondon, c'est pas un épais, là. C'est un gars intelligent. Il pense pas ça pantoute. C'est un gars ouvert sur le monde. Il étudie à... C'est des conneries, ça. Et là, qu'on se comprenne bien, on peut parler d'immigration sans être raciste, xénophobe. C'est évidemment, il y a des enjeux sur les questions de logement. Ça, c'est clair. Ça, je comprends ça. Et quand on parle quand on parle d'un chiffre, est-ce qu'on est... Oui, mais... C'est délicat, ça aussi, là. Mais c'est ça que je dis depuis longtemps, moi. Ça va prendre éventuellement une commission indépendante qui nous dise ce qu'on a besoin en termes d'immigration économique et autres, d'immigration temporaire et autres. Parce que là, ils font juste se lancer à balle à savoir lequel va être le plus raciste que les autres puis le moins raciste que les autres. Puis ça, ils disent n'importe quoi. Ouais, je vous l'ai expliqué la semaine passée. Les chiffres sont pas... Le go dit on va en prendre moins, mais on va en prendre soin, puis après 6 mois, il en rajoute 20 000. Bref, tout le monde fait un peu n'importe quoi pour essayer de se carrer des points politiquement. Ouais. Puis ça, je trouve ça vraiment, Serge, je suis sérieux, je trouve ça vraiment triste. Parce que au final, là, on parle d'humain, là. C'est pas de la marchandise, là, c'est pas une caisse de pop de hockey, là. On parle d'humains qui viennent ici, qui nous ont choisis, on les a choisis aussi, hein, contrairement à ce qu'on pense. On peut-tu penser un peu peut-être à leurs enfants, peut-être penser aux conditions de vie, penser, bon, bref. Et là, ce qui me désole, particulièrement dans cette... Moi, c'est ce bout-là que sorti Plamondon qui me fait snapper. Pensez-y 2 minutes, là. C'est quoi de l'immigration temporaire? Ça sert à quoi, de l'immigration temporaire? Pas rester longtemps, faire ce que tu es venu faire. OK, pas rester longtemps, bon. Les étudiants, C'est quoi que tu es venu faire, notamment? Ben, étudier. Quand tu es un immigrant temporaire, étudier. Un travail saisonnier. Un travail saisonnier. Là, on vit saisonnier ou temporaire, par définition. Ben oui. On vit quoi, là, actuellement, au Québec, depuis quelques années? On vit une pénurie de main-d'œuvre dans à peu près tous les secteurs. Ben, une pénurie de logement aussi. Pardon? Et une pénurie de logement aussi, parallèlement. Ça, je comprends. Mais tu as une pénurie d'employés, notamment dans le secteur de la santé. Il manque de préposés aux bénéficiaires, il manque d'infirmières. D'ailleurs, c'est pas vous, à Mont-Laurier, qui m'avez dit l'autre fois qu'il y avait des infirmières quelques endroits en Afrique, Afrique du Nord, peut-être le Maroc, peut-être plus. Bon, pourquoi? Ben parce qu'il en manque. Puis si vous allez dans les CHSLD à Montréal, il doit y avoir 75 % d'Haïtiennes dans ces mêmes CHSLD, souvent comme travailleuses temporaires. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de monde. Fait que là, vous allez en plus blâmer ces gens-là qui viennent vous torcher le popotin, d'étrangler des ménages. Hey, vous êtes pas pire effronté, là. Sérieusement, il y a des paires de claques qui se perdent, là. Là, tu vas aller dire, toi, là, à Madame Chose, là, qui vient de débarquer ici pour soigner ton père qui est malade, que c'est à cause d'elle que tu as de la misère à payer ton épicerie. C'est ça que dit Plamondon, là, au final, là. C'est exactement ça. C'est la faute des travailleurs temporaires, si tu l'as lu, la citation, si les ménages sont étranglés financièrement. Fait qu'il y a-tu quoi de plus ingrat que ça et de plus injuste que ça? Moi, je vois pas. Donc, au préalable, définir combien ça en prendrait pour être sérieux dans cette démarche-là, tant du côté fédéral que provincial. Et parce que là, ce qu'on fait, c'est que on les blâme d'être entrés, mais c'est nous qui les laissons entrer. Alors, tu sais, là... Ça, c'est l'autre affaire. Et l'autre chose, n'oubliez pas, là, ce sont des travailleurs temporaires.
viennent ici pour travailler temporairement. Qui va les ramasser, les fraises? Non, non, les... non, ils viennent aider, c'est sûr. Les bleuets? Ils viennent pallier des... Non, mais c'est qui? Non, c'est... il n'y a personne. C'est du monde qui vient au Guatemala. Ça me ferait quand on les entend dire, les gens, quand ils viennent voler notre job. Tu n'irais pas ben, passer 14 heures dans un champ. Non, non, tu le ferais pas. Vas-y, ramasser bleuets. Mais ça, on le sait, on est conscient, là. Ben, je ne suis pas sûr, moi, qu'on est si conscient que ça. Ouais. Puis par ailleurs, ces gens-là qui se font traîner du Mexique ou autre, qui sont contents de venir, hein, cela dit, là... vivent souvent, puis ça, il y a eu des études de la Commission des droits de la personne, vivent dans des conditions souvent très, très, très exécrables, très difficiles, sont parqués dans des espèces de cabanes et tout, puis ils se plaignent pas, puis ils ramassent le type. Il y en a même qui étaient payés en dessous du salaire minimum. Je veux dire, ça vous tente pas d'être humain un peu, des fois? Faut vraiment toujours instrumentaliser ça politiquement pour faire peur au monde? Oh, ouais, c'est ça, moi, qui me désole. Puis si ça vient d'un raciste, comme Bocoté, ça me dérange pas, parce qu'on sait qu'il est raciste. Mais Plamondon, il est pas raciste. T'es décevant. Donc, d'aller jouer cette game-là pour faire plaisir, pour aller chercher 1 % ou 2 dans le prochain sondage, franchement, c'est indigne, puis ça ressemble pas du tout au PQ que moi j'ai connu à l'époque, qui est le PQ de René Lévesque. Depuis jamais René Lévesque aurait descendu aussi bas que dire des enneries du genre. C'est pas vrai. Le PQ de Lévesque, le PQ de Gérald Godin, qui écrivait des poèmes pour dire aux immigrants... Vous êtes les bienvenus, vous êtes avec nous autres, vous faites partie de la gang, puis let's go, on est des humains, puis on travaille dans le même sens. C'est rendu où, ça? Puis moi, toutes les fois que je commence à trouver le PQ sympathique, il peut pas s'empêcher. Faut qu'il me balance une connerie du genre. Puis là, tu vois, regarde, c'est bien cute, là, mon Plamondon, tu veux le faire, ton référendum. Bien, vas-y, fais-le. Mais là, tout ce que tu fais depuis que t'es là, c'est divisé. Ah, là, les trans, on veut pas des trans. Ah, ben là, les immigrants, on veut pas des immigrants. Ah, ben là, on va envoyer la police à Roxham. Ah, ben là, les réfugiés, on veut pas des réfugiés. Ah, ben là, les Anglais, on veut pas des Anglais. OK, ben, tu vas le faire avec qui, ton référendum? Ouais, mais... j'espère pour toi que ça va scorer fort à Notre-Dame-du-Lot, là, parce qu'à l'extérieur, ça va être difficile. Là. Ça fait, en tout cas, ça touche une tranche de la population, parce que ça grimpe dans les sondages. Bernard Landry, ça fait 5 ans aujourd'hui qu'on a perdu ce grand monsieur. Merci, Fred. Ah ouais. À demain. Salut. Bye. La petite